Bonjour tout le monde, c'est Erabelle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Sims 4 au restaurant. Alors, on se retrouve au restaurant immédiatement puisque on va inviter. Dans le fond, on va, excusez pas, on va inviter, on va nettoyer le restaurant avant son ouverture. Pour ce qui est de la rénovation, je me suis dit que j'allais pas consacrer finalement une vidéo à vous montrer la rénovation parce que c'est pas tant un gros changement, t'sais, on n'a pas vraiment changé les murs pis tout, c'est juste la disposition et on a fait un petit peu un agrandissement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que il y aura pas de vidéo sur ça. Plutôt, j'aimerais mieux consacrer une vidéo à un vrai speed build, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est pour la petite update. Ensuite, j'ai été voir quelques astuces pour avoir un meilleur restaurant parce que je trouve que ça prend du temps avant qu'on augmente notre... restaurant, comme toutes les affaires du restaurant. Donc, j'ai trouvé que dans les avantages comme ça, il faudrait acheter. C'est le discours. Où est-ce qu'il est? Discours inspirant. Donc, il faudrait acheter ça ici quand on aura assez de points pour. Motiver nos employés à travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout est en ordre ici. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas besoin de deux trucs comme ça. On n'a pas besoin de deux trucs de même. Mais plutôt un autre machin comme ça. Qu'on pourrait installer. On pourrait l'installer. Attendez une minute. On va refaire ça ici. Comme ça. Bon, pourquoi tu veux pas bb.moveObjectsOn? Donc, on va juste le remettre comme ça, ici. On va le mettre de même. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc, on a rangé ça comme ça. Ça va aller mieux. Et on est correct pour ça. Donc, on peut ouvrir le restaurant. On va transférer un petit peu d'argent du foyer dans notre restaurant. On va... Non. Comme ça. Voilà. On a transféré un petit peu de fonds pour qu'on puisse... payer nos employés aujourd'hui. Ok, donc nos serveurs arrivent. Il y a sûrement des clients qui vont arriver bientôt. Comment on fait des avantages? Je pense que c'est avec des interactions. On va aller gérer Julie. On va aller aller voir Julie. Tiens, va voir Julie. Elle a eu un... Le client ne semble pas apprécier mon travail en ce moment, mais au moins, il ne s'en plaint pas plus. Donc, on va aller féliciter elle. Ensuite, on pourra accueillir... les nouveaux clients comme ça. Ok.
Elle a donné un bon service pour une fois. Comme ça. Excellent. Donc, elle a fait des compliments. Là, on a accueilli ceux-là. On va aller accueillir. Donc là, lui est content de notre service. J'aimerais vraiment ça qu'il commence à nous mettre 4 étoiles. Ça serait vraiment le fun. Je pense qu'on est capable d'augmenter nos nombres d'étoiles. Ah, mon Dieu, ils sont venus 4 ensemble. OK. Tu vas aller... gérer Julie. Tu vas aller la féliciter. Et tu vas aller féliciter Thierry. Tu vas le féliciter ensuite. Là, je voudrais juste voir... merci, Madame Beauregard. Moi aussi, je trouve que je suis plutôt fantastique. Okay. Donc, Philippe Petit, il est quand même pas mal haut. Dans nos serveurs, Thierry il est bon quand même. Puis elle, elle a quand même beaucoup de charisme. Au niveau 3, au niveau 4, niveau 2. Peut-être que lui, on pourrait lui donner le niveau 3. Tiens. Comme ça. Pour que notre chef soit vraiment bon. C'est tellement agréable de voir que mes efforts supplémentaires ont été remarqués. Merci. Excellent. OK. Peut-être qu'on aurait de l'espace pour mettre une table à 4 ici. Excellent. Une promotion pour moi? Oui, bien sûr, il était temps. Enfin, je veux dire, merci, Madame Beauregard. Quel honneur. Donc là, on va... table comme ça. On va en mettre une ici. On va la mettre dans l'inventaire, celle-là. Comme ça, puis... excellent. Wow, 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 wow! C'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, on a ça ici. Deux places de plus encore pour les gros 585 quand même. OK. Est-ce que tu les as accueillis? Gestion. Accueillis. OK. J'aimerais ça que ça soit automatiquement pré-seté que... les gens qui sont 4, comme ça soit à 4, les gens qui sont 2 à 2, etc. Parce que j'ai l'impression que les gens, des fois, ils prennent plus de place qu'il y aurait besoin. Donc, voilà. Est-ce que lui, tu l'as accueilli? Ouais. Audrey Bonnet, tu vas aller l'accueillir. Est-ce que Bjorg, tu l'as accueilli? Hey, Bjorg, là, il vient full souvent. Hier, il est venu. Puis là, aujourd'hui, il vient. OK, ils ont mis 4, yes! Qu'est-ce qu'il a dit? Mon repas est arrivé ultra rapidement. Yeah! Va aller voir la table. Gestion. Recommander un plat. Tiens, va... recommander un plat. Qu'au client soit en... est-ce que lui... non. OK. Non. OK, lui, il veut pas une recommandation. Est-ce qu'elle veut une recommandation? Non. OK, elle l'a accueilli. Est-ce qu'elle a accueilli Bjorg? Ouais. On a 300 points d'avantage. Thierry, il fait super bien sa job, fait que... quand même. OK.
qui a trouvé que son repas est arrivé ultra rapidement elle aussi. Ça paye quand même acheter l'avantage. Oh mon dieu, notre point d'avantage a aidé parce que regardez, là, on a comme plein de cartes. Va aller voir la table, lui, s'ils sont corrects. Ok. Moi, je comprends pas pourquoi elle a fait rien, sa gosse. Bienvenue dans mon restaurant. J'espère que tout se passe bien. Excellent. Tu peux-tu aller voir la table ici? Va aller voir la table. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez ça, ce repas est extraordinaire. C'est bien. Il y a des bons prix. Les repas sont bons. Excellent. 3. Ok, elle a donné un bon service, madame, ici. Tu peux-tu la féliciter? Ok, non, tu l'as déjà félicité. J'espère que vous avez faim. Si vous voulez que je vous recommande un plat aujourd'hui. Gestion. Ok. Le service... Qu'est-ce qu'il y a dit ici? Le service est fantastique dans ce restaurant. Gestion. Ok. Comment on fait pour recommander un plat? Ok. J'ai vraiment apprécié toutes les petites attentions. Gestion. Ok, tu peux pas recommander de plat. Est-ce que tu peux recommander un plat, lui? Cinq! Oh my god! Elle a donné un 5! Oh! Oh mon dieu, ils nous ont donné 5! Ok, attends. Va ici. Ok, mon dieu, faut que je prenne un screenshot. Screenshot, ils nous ont donné un 5 étoiles, je suis pas mal sûre. Ils vont sortir puis ils vont nous donner un 5 étoiles. Oh my god, je suis trop contente. 5 étoiles, premier client qui nous donne 5 étoiles. Oh mon dieu, il y a des déchets ici. Ok. Va accueillir. Accueillir. Puis là, va nettoyer ça ici. Ok. 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 Oh mon dieu, ils ont donné un 5. Yay! Premier 5! Wouhou! On est rendu à 4,5. 3,5, excusez. C'est excellent, ça. Ils ont été bien accueillis. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, il a dit qu'il aime bien le plat. Ok. Pourquoi il donne pas de 4? Gestion. Ok, il donne pas de 4. Ok. Est-ce que lui, il veut un repas? Gestion. Ok, elle a donné son plat. Tu vas aller lui demander si elle aime son travail, là. Ah, elle veut un repas. Elle a un repas. Elle veut une recommandation. Gestion, recommander un plat. Ok, on va lui recommander quelque chose de cher. On est l'heure du dîner, fait qu'on va lui recommander un bon vin blanc. Avec... oh mon dieu, c'est comme la première fois qu'on fait ça. Je suis genre full excitée. Oh my god. Pourquoi... ok, on vend du popcorn. Ok. Ah, ok. Ok. On va lui recommander de prendre une salade César. Ici.
Puis, on va leur recommander de manger du tilapia. Et pour dessert, on va leur recommander un petit dessert quand même santé. Une tarte aux fruits. Et voilà. Donc là, elle lui recommande un plat. Ok, eux sont super contents. Va voir la table. Ok, il y a genre des clients ici. Va l'accueillir. Ok, le restaurant, il est quand même pas mal rempli, honnêtement. Je pense qu'on va empêcher l'arrivée de nouveaux clients. Comme ça. Ok. Là, elle s'en va accueillir nos petits amis. Ok. Excellent. Ok. Peux-tu l'accueillir, please? Ok, tu vas aller accueillir les dames. Excellent. Est-ce que tu as accueilli les dames? Ok, eux sont contents de leur repas. Ok, elle veut se faire recommander un repas. Tu vas... Ah, ils ont donné 5 étoiles aussi! Oh mon Dieu, on commence à avoir des 5 étoiles! Oh mon Dieu! Puis je comprends pas pourquoi là, c'est comme 3 étoiles. Il était 3 étoiles et demie, puis là, genre... Ok, tu vas... T'es où, là? Ok, tu l'accueilles. Là, tu vas... recommander un plat parce qu'elle, elle voulait se faire recommander. Ok, t'as genre eux qui discutent dans les toilettes. Ok. Cool. Ok, eux, ils donnent 5 étoiles. Yay! Yay! Encore 5 étoiles. Là, elle veut se faire recommander un plat. Ok. Tu vas aller nettoyer ça ici. Ok. Bon. Là, elle veut se faire recommander un plat. Fait que tu vas recommander un plat. On va lui recommander un vin rouge avec un entrée de fromage. Globe oculaire en fromage. Ok, c'est bizarre ça, mais bon, c'est pas grave. Et on va lui recommander comme plat principal du poulet. Comme ça. Oh non, du spaghetti, tiens. Comme ça. Et comme dessert, on va lui recommander un bon... une bonne chocolatine ici. Ou sinon, non, un cupcake au caramel, tiens. Voilà. Comme ça, elle achète des affaires full cher, puis nous, on fait plein d'argent. Bon, lui, il vient enfin se faire servir. Oh, elle est tellement cute! Elle était genre full enthousiaste! Oh, elle est trop cute! Ok, elle était super enthousiaste. Ok, c'est excellent. Eux aussi donnent 5 étoiles. Ok. Elle était super cute. Elle a offert un super bon service.
Pourquoi? Ok. Toi, t'as pas donné un bon service. Va la critiquer. Va la critiquer, t'as donné un mauvais service. Mais toi, t'as été super cool, tu l'as-tu félicité? Ok. Ben, je suis désolée, ma belle, t'as donné un mauvais service. Regarde, dommage que le service ne soit pas plus aimable que ça dans le restaurant. Fait que, gars, tant pis pour toi, là. C'est à toi de faire mieux. Tu vas l'utiliser. Excellent. Ok. Il reste eux et eux. Après ça, ils ont fini. Ce qui est excellent. Ok. Je pense qu'on va mettre un frigidaire parce que ça gosse. On peut pas, on peut rien manger. Tiens, tu vas mettre un frigidaire. Ok, on a passé pour ça. Transfère des fonds. Tu vas transférer 1000. Tiens. Comme ça. Puis là. Excellent. Tu vas aller cuisiner. Tu vas te faire une salade. Je veux dîner. Une salade du jardin. Tiens. Comme ça. Parce qu'elle a super faim. Là, eux, ils... OK. Ils aiment vraiment leur repas. OK. Là, elle est super cool. Juste voir quelque chose dans la gestion des employés. OK, notre chef s'en vient vraiment bon. Notre serveur, OK, est pas pire. Thierry, il est pas pire. Elle s'en vient bien. OK. OK. Ça fait 11 heures que le restaurant est ouvert, my God. On va attendre qu'il finisse, puis on pourra lui dire de partir. OK, lui, il dit que son repas y est arrivé rapidement. Tu peux-tu manger ta salade, please? Tiens. Excellent. Peut-être que tu pourras donner une promotion à elle. OK, eux, ils ont donné 4. OK, 5. Lui, il a donné 5. OK, non, ils n'ont pas fini. C'est que son chiffre, il a augmenté. OK, je comprends. Peut-être que tu pourras aller lui donner une promotion à elle pour qu'elle soit meilleure. Tu vas lui donner une promotion. Ça va être plus facile peut-être pour elle. Qui sont rendus à 5, eux aussi. Bon, est-ce que ça va te motiver? Un nouveau nain jardin que j'ai repéré. OK. Elle va utiliser la promotion pour s'acheter un nain jardin. Wow. Super achat, hein? OK. Est-ce qu'on peut acheter l'avantage quasiment? Quasiment. OK. Gestion va aller voir la table. OK. Eux, ils ont donné 3. OK, ils n'ont pas aimé ça, eux. Mais ils ont eu un service, c'est pas très bon. Julie commence à être fatiguée. Ouais, je sais qu'ils sont fatigués. J'attends juste qu'elle ait fini. Qu'est-ce qu'elle fait? OK, my God, j'étais genre, my God, qu'est-ce qu'elle fait? OK, tu peux-tu... Heureusement, il n'y a plus de clients qui arrivent.
Je viens tout juste de m'assurer que vous avez donné un bon service. Excellent. Excellent. Pouvez-vous manger plus vite? Sérieusement, il faut racheter cet avantage-là aussi à m'amener parce que c'est long. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Oh my god! Elle a volé un objet! Oh shit! Okay, elle a volé un objet, la tabarouette. Va gérer Julie, va la... Oh my god, elle a volé de quoi? Ok, on a une kleptomane avec nous. Oh my god, sérieux? Ok, sérieux, on va juste... Va la licencier. Parce que, oh my god, je veux pas une kleptomane avec moi, là. Ok, un kleptomane, j'en viens pas. 4 sur 5 étoiles, yes! Ok, je suis vraiment désolée, ma belle, mais... Ok, je suis vraiment désolée, mais c'est parce que... T'as volé mon restaurant, comme c'est pas acceptable, fait que je te renvoie. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a les ventes 887, les coûts des ingrédients, 459 les repas, les salaires. Ok, on a fait seulement encore 53 simflous. Ok. Point fort, qualité prix du repas, point amélioré service et la touche personnelle. C'est quoi ça? Ok. Et niveau 7. Niveau 4, niveau 5, niveau 6 et niveau 5. Ok, on va acheter un avantage. Récolte, chef, supplémentaire, discours inspirant. Je veux ça ici. Puis, on va engager une nouvelle serveuse. Alice Muller, Caroline François. Ouais, on va engager Caroline François. Tiens. Donc, nous, après cette longue journée de travail, on va se laisser ici parce que l'épisode, ça fait assez longtemps qu'il tourne. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez super aimé ça. Moi, j'ai adoré ça. C'était une super belle journée. On a fait quand même, on est rendu à 4 étoiles quand même. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une belle matinée, après-midi, soirée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Je vous adore. Merci à tous et bye!